C'est seulement une fois l'an qu'on peut voir à Paris des autos immobiles. Eddie Constantine a donc pensé, comme nous, que le Salon du Neuf était une occasion à ne pas manquer. Elles sont du tonnerre. Qui ? Lise Bourdin et Véronique Zuber, ses partenaires dans Ces Dames préfèrent le Mambo, ou bien les vedettes 58 ? Eddie ne l'a pas précisé. Lise Bourdin, qui souffre comme tout le monde des embarras de Paris, a jeté son dévolu sur la Vespa 400, la Benjamine du Salon. Françoise Fabian, vedette des fanatiques, et elle-même fanatique du volant, reste fidèle à la voiture sport, qui plaît en général au beau sexe. Quant à Louis de Funès et à Colette Ricard, interprète de l'affaire Blaireau, ils ont demandé des lumières sur le nouveau code européen. Le feu des projecteurs ne pouvait qu'attirer aussi Gianni Esposito, le nouveau Marius des Misérables. Et c'est ainsi qu'au hasard des stands, nous avons pu assister à la conjonction du cinéma et de l'automobile.